La fin sura 19, sura Maryam. Le nom de Maryam, les retourne vers la maman de Isa alayhi salam directement. Maryam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fait un appel, un sura complet, le sonon. Et nous trouvons le Coran. Même, ben, nous capables de dire l'ennemi de l'islam, cette madame, Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionne ce nom. Dans le Coran, il y a un seul nom, madame, qui mentionne, un seul. Zis Maryam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin sur le Tahrim, les films finis montrer ce valet. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Et Maryam alayhi salam, celle qui fin protège lui-même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fin fait nous connaître quatre madames qui pour nobles, qui pour plus haut de Jannah. Là-dedans, il y a Maryam alayhi salam. De la fin de la sourate, oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même, quand nous finissons dire, ben, l'ennemi de l'islam, par exemple, nous allons salam sur madame. Nous allons salam sur madame. Toujours de la fin de la tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, kanata tahta abdaini min ibadina. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple, ban mécréant, l'exemple de Madame Nuh alayhi salam et Madame Lut alayhi salam. Je suis sous responsabilité des prophètes. Malgré ça, je vais accepter l'islam. Malgré ça, Allah pas mentionne je, non seulement. Abu Lahab sur Madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans sourate Al-Lahab wa mra'atuhu hammalat al-hatab wa mra'atuhu et ce madame pas de ce nom qui fait juste pour nous depuis le Coran nous gagnons l'idée comme a dit l'islam tout ban la loi qui vient pour protéger madame. Malheureusement aujourd'hui ou demande motifi, li vous dit que toute la loi qui vient, il vient pour renfermer. Qui au fait, Allah subhanahu wa ta'ala finalement toute la loi pour protéger. Dans la fin sur Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Chers frères et sœurs, réfléchissez à une chose. Quelque chose. Allah existe, oui, non. Allah existe. Allah connaît nous, oui, non. Allah connaît nous. Allah subhanahu wa ta'ala compte en nous, oui, non. Allah subhanahu wa ta'ala compte en nous. Compte, comme on nous dit en arabe, al-hub. Mais en même temps, il y a un mot qui vient plus faux, qui est hub, c'est al-wud. C'est pour ça, parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Wadoud. Wahoual, Rafourul Wadoud, de Surah Al-Buruj. Qui veut dire Al-Wad? C'est un amour, un contentement qui vient pour un kiken, malgré les capables d'un manquement. Malgré un manquement. Connais-nous quand nous comptons un kiken, les points kiken qui? Nous gagnons facilité, Oli. Comment nous dire, nous gagnons l'avantage, Oli. Ensuite, si arrivé, il fait une erreur en moi. Qui est arrivé? Il commence à s'éloigner, là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, non. Deuxième petite chose. Chers frères et sœurs, c'est une réalité, ça. Qui est quelque chose? Et dans 10 mounes encore vivant sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala compte en zut. Qui nous vous a plus que ça?
Qui nous vient plus que ça? Ibn Kathir, rahimahullah, quand il dit à nous, madame plus heureuse qu'il y en a, c'est Khadija, radiallahu anha. Il expliquait. Il dit, Jibril, alayhi salam, vini vinger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comme ça, Khadija côté. Et Khadija, il a cessé de prendre du bois là-bas. Il dit quand il vini, fait le salam depuis ce robe. Fait le connaître ce robe content. Khadija, radiallahu anha. Jibril alayhi salam en place dit, fait le salam pour moi ici. Vous voyez comment nous dit, il saisit l'occasion là. Ensuite, Ibn Kathir termine ça, il dit, et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin mourir avec lui, faudrait l'in content? L'in content, lui. Qui dit bien c'est l'eau, la terre? Meilleur de toute créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'in content, lui. Plus noble parmi les anges, l'in content, lui. Ce créateur, l'in content, lui. Qui dit bien vrai? Mets-tout dans place à madame là. Mets-tout dans place à madame là. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'une majorité de filles appelle Khadija? Les rallies pour content? Non. Parce qu'il y a aujourd'hui, si vous avez une fille là, vous avez mis Khadija. Khadija, Khadija est un peu trop connu, hein, non? Il trouve Khadija trop connu, le joli. Mais qui au fait, c'était une personne qui de ça dit non, fin, pour moi, qui est plus heureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, ban kina iman, et je te fais bonne action, ça yadjalou lahumur rahman wudda. Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner zut, ça yadjala. Djala veut dire, faire une petite chose arriver. Wudda, Allah pour compte en zut. Vous direz, Allah subhanahu wa ta'ala, pour créer la situation, pour je te fais bonne action, afin qu'il compte en zut. Qui nous demande nous là, c'est des petites choses, oui. Un, gain iman de Allah. Deuxième, c'est une bonne action. N'importe qui bonne action. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'un hadith qui trouve dans le Sahih Muslim, rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit, il dit nous que Allah subhanahu wa ta'ala est content et qui ken. Il appelle Jibril. Je dis, oh Jibril, certainement mon content est il content lui. Dis-moi à côté là. Dis-moi que l'eau la terre, frère, il y a qu'au vivant. Il y a qu'au pé mort, c'est l'eau la terre. Content lui. Jibril alayhi salam, content lui. Jibril alayhi salam, il appelle tout bon habitant de ciel, veut dire bon ange. Il dit à eux comme ça, Allah est content est il content lui. Tout bon habitant de ciel, content lui. Ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, et Allah subhanahu wa ta'ala met acceptation dans les qui est bandimoun l'eau la terre pour sa personne. Veut dire que tu as l'air d'imoun accepté. Ou l'un exemple, nous prenons un exemple. Si vous dites où, 40 ans nawawi. Je dis oui, un hadith. Si vous dites où 40 Rabbana, vous dites oui, un petit livre de ça, non? C'est ça de l'exemple là. 40 Rabbana, chers frères et sœurs, c'est une personne qui ne fait pas effort, qui réunit les deux qui est dans le Coran, qui commence par Rabbana. C'est ça qu'il fait. Ayat Coran, ça, hein? L'in réunit 40 doigts qui est dans le Coran et n'a pas les autres doigts encore. Oui, n'a pas les autres doigts. Mais c'est moi tout le monde qui commence par Rabbana, l'in réunit les autres et n'a dit qu'il y a un livre individuel. Un livre à part. Il y a 40 Rabbana. Au fait, c'est Ayat Coran ça. Ça a dit qu'il y a ça là. Qui a été acceptation Allah subhanahu wa ta'ala donne. Qui est dans 10 mounes, tous les grands matins après Fajr, j'ai besoin de lire les autres 40 Rabbana. 10 mounes n'ont pas même connu que c'est là qui est dans le coquet de Fajr. Ils ne connaissent pas.
Mais il connaît ce livre, après Fadja, il finit, il y a tel surah, il finit, il y a ce courant, il dit, il y a 40, tu les ouvres. Quelle est l'acceptation à l'aide de ce travail-là? Quand nous peut dire 40 ans, oui. Il n'y a pas de livre hadith, hein? 40 ans, oui, pas de livre hadith. Hein? C'est un livre compilation de man hadith. Livre référence hadith, c'est Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Ahmad. Ça, c'est un livre référence hadith. 40 ans, oui, c'est Imam An-Nawawi, Rahimahullah, qui vient bien après. Il explique Sahih Muslim. Là-dedans, il y a un hadith qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui mémorise 40 mots hadith, il prend de Jannah. Il dit, il prend 40 hadiths qui concernent la vie de tous les jours. Ben, petit hadith, il dit à mon compil ça, afin qu'un dimon ait facilité à prendre, afin qu'il gagne sa récompense là. Sa 40 ans n'a pas eu la gagne qualité acceptation entier le monde, qui ou parent d'un mazid accepté pour une 40? 40 n'a pas eu. Personne pas demandé, qui sont mazhab? Pourtant, imam n'a pas eu, t'il ou mazhab imam Shafiri. Ou même dans un masjid qui est dans Hanafi, ou même dans un masjid qui est dans Maliki, ou il y a 40 ans, ou il y a 40 ans, il n'y a pas de temps qui est dans sa vie. Quand Allah fait une acceptation, ça, qui fait ça? Parce qu'il est au septième ciel, et il y a quelqu'un qui compte en lui. Ça y a dit, Allahumur Rahmanu, Wudda. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire livrer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans un long hadith. De non hadith. Au fait, hadith a dit commencer, chers frères, la cause des temps, c'est quand, une fois, il vient Fadjar tort. Tout le monde s'est abattu, jusqu'à ce qu'on soit clair. Là, il vient, il fait Fadjar, il dit à deux nazans, il fait Fadjar, et vraiment, il fait Fadjar vite ce jour-là, le temps fini, il fait Tasbih, il fait son compagnon, là, il pose d'autres questions. Il dit, je connais qui n'arrive, moi. Il dit, non. Il dit, mon neveu dans la nuit, mon fait namaz, après namaz, un sommeil prend moi. Et mon fait un rêve. Rêve un prophète, c'est quoi? C'est Wahi. Dans sa rêve-là, un long rêve, sur la fin, au fait de sa rêve-là, il converse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa rêve-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Muhammad, demandez à l'os, demandez. C'est là qu'il y a deux qui devant nous, la frère. Il dit, Allahumma inni as'aluka thirul khayrat, wa tarqal munkarat, wa hubbal masakin, wa antaghfirali wa tarhamni, wa idha aradta fitnatan qawmin, fatawaffani ghayra maftoun. Ensuite, il dit, as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbak. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, innaha haqqun. Fadr rusuha thumma ta'allamuha. C'est pour ça qu'il nous a amené, qu'il dit. Il dit, oh Allah, me demande-toi, Allahumma inni as'aluka, thirul khayrat. Une capacité pour me faire une bonne action. Wa talkul munkarat, pour me quitter une mauvaise action. Wa hubbal masakin, pour me compter une ban pauvre. Et me demande-toi, wa antaghfirli wa tarhamni, te pardonne-moi et te gagne pitié pour moi. Et quand tu voulais faire tes avec un kiken, avec un peuple, puis tu fais mon mot, ta wafani, rero maftoun, pas fais mon passe-moi de ban tes. Ensuite, lui dire, oh Allah, me demande-toi pour content. Allahumma inni as'aluka hubbak, me demande-toi ton amour. Wa hubba alladhi yuhibbak. Et me demande l'amour qui compte en toi. Wa al-amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Et ban travail, ban action qui comme offrir, me content, me gagne tout l'amour. C'est là qu'il le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit, oh Allah, me demande tout l'amour. Allahumma inni as'aluka hubbak. Frère, vous connaissez que vous pouvez demander là? Visionne ça pour un moment. Ou peut demander à Allah sur l'amour. Vous connaissez l'amour quand quelqu'un est content ou les disposer pour faire? Ensuite, oh Allah, me demande l'amour quand qui compte en toi. Et me demande-toi pour faire une action qui rapproche moi avec toi l'amour. À la fin des hadiths, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, sa bonne chose qu'il est demandé là, c'est une vérité.
Fadersuha, apprends-nous autres. Ensuite, enseigne-nous les autres. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, apprends-nous. Et ensuite, enseigne-nous les autres. Un des plus grands doigts qui est en fait. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit ramas. Combien de choses là-dedans? De 4-5 la ligne. Dans une semaine, moi prendre phrase pour phrase. Dans une semaine, 7 jours. Moi divise chaque phrase dans un jour. Excepté qu'ils m'ont mémorisé, frère. Et surtout, l'eau la fin là, qui m'en trouve, qui y est attaché avec l'amour, Allah subhanahu wa ta'ala.